C'est parti. Ma journée qui commence. Le restaurant est ouvert. Et personne. Ah. Attendez, peut-être reçu des messages. Pense à te reposer, surtout n'en fais pas trop d'heures. Bip-moi quand tu es en ville, je vais voir la mairie pour que tu touches à la prime de l'embauche. Oh, je suis là. Coucou. D'accord, pas de soucis. Ok. Du coup, je suis ravie de la France, fais bien attention à toi et ne force pas surtout. Alors, est-ce que par tout hasard, ils sont en bas? Oh, j'ai reçu un message. Coucou Mathieu, tout va bien? Coucou, oui, ça va. Et toi? Vous êtes où? Vous êtes où? On a demandé à ta prime, je suis 2000 euros. Oh, 2000 balles, let's go, let's go, let's go. Oh super! Merci beaucoup! Bah ça peut aller, on est à l'Espidi avec Athéa. Oula! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'ils font à l'Espidi? Qu'est-ce qu'ils font à l'Espidi? Coucou! Ça va et toi? On me dit que vous êtes où est le Speedy. Ah, c'est pour une vieille histoire. Je demande à rejoindre. J'aurais peut-être changé de veste au final. Je pense pas qu'ils me prendront au sérieux avec cette veste. J'aurais peut-être mangé. Et boire. Super. Et je prends un fish burger. Alors. Oui, ça va, pas de panique. On est là pour une déposition sur une vieille affaire. C'est ce que me dit Charlotte. J'espère que ça va aller. Ah. 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 Salut. Bonjour. Ah, attends. Ça va? Allô, allô, bonsoir. Allô, ça va? Ça va et toi? Oui, oui, ça va. Désolée, j'avais un chat dans la gorge. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ah, tu vas très bien cette tenue. Ouais, c'est pour fêter les 2000 balles que j'ai gagnées grâce à la prime d'embauche. Let's go. Non, je regarde juste un truc sur le répondeur. Ok, ok. Ok. Je suis de retour au vignoble. Vous voulez que je prenne la commande de Thomas? Bah, il me semble que c'est lui, hein, le 89-99. Attends, je peux vérifier si tu veux. Ok, pas de soucis. Oui, 89-99, c'est bien lui. Oui, c'est bien Thomas, je suis d'accord. Oui, c'est Thomas, ouais. Ouais, attends, je prends du coup la commande. Ok. Hop.
Ok, bon, bah je me suis fait raccrocher au nez. Ah, par qui? Je vais lui écrire un petit message quand même. Tu t'es fait raccrocher au nez par qui? Par Thomas. Ah, merde! Oh putain! Mais Thomas! Attends, je vais lui envoyer un message. Salut! T'en Attends. fais pas, ça va, c'est ok. Oh non! Je voulais juste lui dire que ben oui, ça, on, ouais, je prends sa commande. Et Thomas, je lui ai envoyé un message. Non mais c'est tout, hein. Hop. Où est-ce qu'il est du coup? J'ai trop de monde dans mon répertoire au secours. Bon, message. Je veux dire bonjour, c'est le vignoble. Votre commande a bien été prise en compte. Let's go. Ah, ça fait 10 nouveaux messages, hein. Oula, comment ça? En fait, j'étais pas là hier, du coup j'avais pas vu les nouveaux. Ok, là je vois qu'elle était prise en compte. Je sais pas si je dois le vouvoyer ou pas, du coup. Ah, au secours! Tu peux le tutoyer, je pense, hein, il nous connaît. Ouais, mais bon, là c'est pour l'entreprise, tout ça, tout ça. Oh bah au pire tu réponds, on a bien pris en compte votre commande alors. Ouais. Si c'est l'entreprise qui répond, c'est au nom de la boîte. Ouais, donc je vois après maintenant. Vous seriez disponible quand pour venir la récupérer? En gros, c'est ça. Et on l'accueille avec des tenues magnifiques, comme celles que C'est je fou. porte actuellement. Mais du coup, je dois avoir de l'argent sur mon compte en banque. Let's go! Parce que je m'étais acheté une moto, au final elle est un peu nulle. Elle ne monte pas très bien les côtes. Et j'ai une... Oh merde! J'ai une de mes voitures qui est à la fourrière! Oh non. Sans doute. Tu voudrais qu'on aille la récupérer? Bah écoute, pourquoi pas, oui. Après le travail. Alors, attends 2 secondes, je vais juste récupérer les grands crus de Thomas et bah, j'arrive. Ok, vas-y. Est-ce que moi je commence T'as... déjà à récolter du raisin ou j'attends les autres? Alors, je ne sais pas où elles sont, je Soit elle est t'avoue. speedy. Ah oui, c'est vrai, il y a une histoire avec une mule, mais au secours. C'est ce qu'on m'a dit. Enfin, on m'a dit que c'était une vieille histoire, mais j'en sais pas plus. Ouais, bon, elles m'ont juste dit une histoire de mule, donc je ne sais pas si c'est celle que je connais ou si c'est une nouvelle histoire. Ah! Bah, apparemment, c'est plus vieux que ça. Ok, donc ça doit être celle que je connais. Si, si. Au pire, je demande à Charlotte si je commence déjà à me faire un bison. Bah, je pense que tu peux. Bah écoute, je vais faire ça, hein. Bah, let's go. C'est parti. Hop, je me mets là pour être sûre de pas me faire écraser. T'inquiète pas, je conduis bien. Hop, super. Let's go. Et bon courage à toi surtout. Merci beaucoup. Bon courage à toi aussi. Let's go, c'est parti. On laisse un peu la voiture traîner toute seule. C'est là-bas. Je conduis un peu mal, ça arrive. Super. Hop, comme ça je commence déjà à ramasser du raisin. Et on fait toujours 10 par 10. Let's go! Ouf.
Bon, ça va être encore un peu calme au début, je pense. J'étais envoyé un message à Charlotte pour dire que je ramasse déjà du raisin. Comme ça. Let's gong. On va me dire que ça marche. Super. Je vais aller sur Twitter. Attendez. Avant d'aller sur Twitter, je vais faire ça. Voilà. Et maintenant, je suis sur Twitter. On va voir ce que les gens y mettent. Vivi. Ah, on m'en voit rien. Mais voir une fameuse, on devait négocier. Eh, salon visuel, ta info est toujours disponible. Je like. Je vends toujours ma manchette full costaud. Ah ouais, j'ai pas assez d'argent. Continuer un peu de ranger mon raisin. C'est parti. Hop. Et on continue de checker Twitter. Il y a des trucs pas mal en vrai. Je sais pas qui c'est lui. Je commande tout, hein. Ça se passe bien, l'équipe formidable, bonne ambiance. Je suis ravie de les avoir rejoints. Let's go! Je like. Courage à tous dans ces moments difficiles. Puis ces prochains événements apaiser la ville. Que s'est-il passé? Comme ça, les gens ils sauront qui je suis. Connaîtront mon prénom. J'aime bien quand les gens me connaissent. Je trouve ça fun. Ah, j'ai reçu un message. Salut! Ça va et toi? Hop. Tac, tac, tac. Alors, du coup. Tac, on m'a répondu. C'est clair, l'observateur Galileo, si tu veux y aller, mais attention, il y a des pumas, on m'a dit. Ah merde. Je mets l'observatoire sur ma liste de lieux à visiter sur Los Santos. Merci beaucoup. Je ferai attention. Voilà. J'ai reçu un message, il faudrait que j'aille voir. Tac. Hop. On m'a envoyé un message. Écoute, on avance comme on peut. Ça va bien, Ovigne. Oui, ça va bien. Oui, ça va. Oui, ça va. Là, je travaille. Ah, ils sont réactifs, les gens, sur Twitter.
tu veux visiter Los Santos, il y a des mosaïques en forme de singe, de brun partout, c'est sympa. Oh. Des mosaïques en forme... Des mosaïques en forme de singe, de... en singe à brun partout. Ah oui? Il faut que je passe voir la ferme. Vous avez plein d'animaux? Ça je demande, hein. Super. Alors. Tac. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Peut-être que je mette mon contact en fait. Trop mignon. Ah, en fait, c'est les top tweets. Oh. Trop bien. C'est trop bien, ça. Ah, ouais. Notification. Oh. Ah, ouais. Alors, il y a beaucoup de lapins. On a Monique la vache et on a Bob le tracteur. Il y en a Ron le lama, mais il n'est pas encore réveillé. Ron Weasley. Super. Voilà. Tac. Faudra que je me trouve une photo de profil. Pas mal de choses, hein. À la store, beaucoup de sans-couilles dans cette ville. C'est qui? Je sais pas qui c'est, mais c'est très drôle. Bravo. Oh, quel style. À couper le souffle. À couper le souffle. Oh, je vais me donner un but. Je veux être millionnaire. Je veux être millionnaire. Avoir 1 million d'euros, ça peut être bien, non? Je vais être millionnaire à Los Santos. Comme ça, je porterai cette tenue encore plus fièrement que je la porte déjà. Avec 5 000. Il me reste 995 000 dollars pour être millionnaire. Oh! Je vais devenir millionnaire. Let's go! Ah! J'ai reçu un message. Ça pêche chaud du raisin. Oh. On a répondu à mon tweet. Avec grand plaisir. On est ouvert. Passe regarder et nous acheter 5 à 10 fraises à l'occasion. N'hésite pas à envoyer un message sur la messagerie de la ferme au cas où. Ok. Je ferai ça. Super. On va continuer à donner notre raisin à la voiture. Super.
Message entreprise. Il faut pas voler les commandes de Violette, c'est pas très gentil. Ah. Mais c'est... Les commandes de Violette. J'imagine qu'il part d'Oli. J'espère que rien n'a été volé, hein. Tac. En tout cas, ce soir, ça promet d'être enrichissant. Parce que j'ai une conversation avec ma patronne après. Ça va être gang, gang, gang. C'était bien habillé. Oh, salut! Salut, ça va être gang! Hey, gang! Oh, ta coupe! T'as changé de couleur! Oui, bon, c'est pour quelques jours, mais c'est ok. Oh, c'est trop dingue! Oh, le violet, c'est trop cool! Enfin, violet bleu! Enfin, violet bleu rose! C'est un bleu avec des reflets. Je sais pas, j'ai demandé à la coiffeuse, elle m'a dit bon, je m'en occupe, et j'ai pas trop compris ce qu'elle a fait. C'est stylé! Oui. T'es comme ma voiture, t'as des reflets roses dans tes cheveux. Alors que t'as les cheveux bleus. C'est stylé. Oui. Comment tu t'en sors, oui. Ouais, bah là j'arrive au bout, là je suis à plus de 600 raisins que j'ai mis dans ma voiture. T'as changé de tenue pour arrêter d'être cosplay en moi, parce que là c'est plus du tout moi. Hein. Non, alors là j'ai changé de tenue parce que j'ai eu ma prime. Du coup je me suis dit, je m'habillais bien quoi. Surtout que j'aurais une sorte de second entretien avec la patronne parce que ça fait une semaine que je suis là, du coup elle veut qu'on parle et tout. Du coup je me suis dit, je pense, j'espère. Et du coup, t'attends la prochaine prime pour pouvoir acheter des vêtements sans trous? Alors, je sais pas. Je t'avoue que cette tenue me sert un peu parce que je porte jamais ça d'habitude. Mais, oui. Mais c'est fun. T'as quelques trous au niveau des coudes. Ah oui, non mais ça, c'est parce qu'ils ont besoin de respirer mes coudes. Ah oui, c'est vrai, comme les Geox. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une veste Geox. Ça arrive. Stylé. Oui. Hop. Ah, c'est bon, j'ai plus de place. Attends. Ah, c'est parfait. Et mes poches sont pleines. Comme dans le jeu Animal Crossing. Quoi? Tu connais pas Animal Crossing? T'es en train de comparer le travail du vinaigre. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Tu fais des gauche-droite, c'est plus compliqué. je parle d'un jeu Animal Crossing. Donc tu compares ton travail à un jeu? Non. Oh, mais je m'en fous, hein, je suis pas du vinaigre, tu peux dire ce que tu veux. Non, je parle de mes poches. Ah oui. En plus, ils vont s'écraser mon raisin dans mes poches. Tu veux m'accompagner au point de transformation ou Bah oui. Let's go, hein. Je t'en prie, viens. Hop là. Je vais juste prendre ma moto, quoi. Ok. Let's go au point de transformation. Ah non, ça c'est la vente. Le point de transfo, c'est traitement du vin, traitement du jus de raisin. Voilà. Ah. Salut. T'as besoin d'aide? Pour le moment ça va, je viens de finir de prendre le raisin. As-tu besoin d'aide? Bah écoute, si tu veux venir, pourquoi pas? Bah allez, je viens avec toi. Let's go. Let's go. Ce sera plus vite terminé comme ça pour toi. Yes. Alors il y a Thomas avec nous. Enfin Thomas, il est là. Mais Thomas vient aussi, c'est génial. Il y a eu un vol de commandes? Non, en fait ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je veux prendre les commandes pour livrer aux citoyens, on me pique sous le nez. Ah. Donc oui, par exemple, je veux prendre une commande, June l'a déjà prise ou Axel l'a déjà prise. Ah merde. Donc c'est très rare que je fasse des commandes aux particuliers, ouais. Ça a déjà été fait. Voilà, non mais c'est bon, cette fois je l'ai fait. Ah, nickel. C'est parce que j'ai dit à Thomas que j'avais pas l'habitude d'en faire. Parce que justement, on me les prenait sous le nez. Au moins là c'est fait, au moins là c'est bon, c'est mon moment de gloire. C'est mon moment de gloire. Let's go. Moi du coup, il y a Charlotte qui m'a dit que je pense après la vente, enfin tout ça.
Il y aura une so enfin, on devra se parler parce que ça fait une semaine que je travaille ici. Ah oui, ils vont te passer vigneron. Yes! Let's go! Bientôt maître de chien, qui sait? Voilà! Tu sais. On va pas brûler. Oh, des chats! On va pas brûler les étapes! Tu sais, ça fait intérimaire, vigneron, maître de chais. Chais. Pourquoi d'ailleurs maître de chais? Parce que apparemment le chai est une cave qui conserve le vin. Ah! C'est CHAI, pas CHEH. Ah! Bah, je le mets quand même bien trouvé. Hein. Le jeu de mots est bien trouvé en effet. J'ai cru que c'était maître de chais aussi Chais! au début. Mais non, pas du tout. Ça le fait de ouf! Ah mais carrément, tout à fait. Alors, je vais juste. Wow. Oh, je vais faire sa tête sur le retour. Parce que pour le moment, ça va, je suis pas trop mal niveau. Non, par contre, tu fonces pas dans moi. J'ai assez de carburant pour le moment. Ça va alors. Non, c'est à cause de ça en fait que je n'ai pas pu. Bah, que ma... C'est à cause de ça que ma voiture était finie à la fourrière. C'est parce Ah que je zut. n'avais plus de carburant et il n'y avait pas de bénisse d'ouvert. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais l'abandonner là. Et Oh non, oh zut. je me suis acheté une Vespa, sauf que la Vespa a remonté. Bah, Ah oui. j'ai allé plus vite en courant. Et du Oui. coup. Bah, voilà. J'ai ma Vespa, mais rien de plus. Ah, mais. Ah mais super. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Aucune idée. Bon, bah pourquoi pas? Hop. Je Ouais, pense je à... préfère faire le tour parce qu'on sait jamais avec ces gens-là. Ouais, bah oui. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ils T'abîmes le. sont... Ouais. T'as le malheur d'abîmer le tracteur, bam, ils te font ouais, du mal. Au pire, on les tape. Je Ouais, rigole évidemment, ça ne me ressemble pas. évitons. Je rigole évidemment, ça me ressemble pas. Alors. Du coup. C'est parti. Stylé sur le tracteur. Ah merde, je crois qu'elle a confondu. Non? De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah j'essaye d'expliquer à ta patronne pourquoi j'ai envoyé ce message sur le messagerie d'entreprise, mais je crois qu'elle a confondu personne. Ah oui. Ça arrive. Oui, elle pense que tu parles de Violette, Violette. Oui, possible. J'ai vu que l'écriture différait, donc je me suis dit que c'était l'autre Violette. Donc Oli. Oula, quoi? Oui. Oui. C'est compliqué cette histoire. On s'en sort Alors, je te toujours. laisse. Je te laisse imaginer quand Violette et moi on travaillait au vignoble ensemble. Oh non. Si. Oh bah j'étais pas là moi à ce moment-là, ouais, c'était plus de Non, merde. t'étais pas là, non. Oula! Oula! T'es Oula! tombé! Ça va? Ça va? Je suis devenu un peu. Rien de cassé? Non, c'est ok. Ok. Oula, on va arrêter avec ce tracteur. On va faire autrement, on va pas arrêter en fait. Let's Let's go! go! Ah! Tu peux pas rentrer à Bob, l'intérieur du. par contre, je crois que tu parles pas très fort. Ah si? Ah si? Ah si si? Bah, toi, tu l'entends, mais pas moi. Oh Après, je suis non! très haut aussi, hein. Attends, là tu m'entends? Ouais. Bah voilà. Eh ben super! Parce que là je parle plus fort. Oui, du coup, c'est bon, c'est logique, du coup, si je t'entends. Maintenant, oui. Ah, j'étais venue. Enfin, j'étais venue. Je suis allée au je suis allée au LSMS avant-hier. Parce que je voulais revoir la personne qui s'était occupée de moi. Et je me suis perdue dans le magasin. Enfin, pas dans le magasin, dans l'hôpital. Oula, Oui, oui! parce que oui, on y va pas trop pour acheter des soins, quoi. C'est pas une pharmacie non plus. Oui, mais du coup, je voulais remercier la personne. Au final, j'ai vu aucun médecin et je me suis perdue. Du coup, pendant Oui, pas 20 faux. Oh minutes, non! j'étais perdue. Oh non! Et j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'est un peu ridicule. Je l'admets. Hop. Voilà. Oh, il est beau le ciel!
un peu rose. C'est vrai qu'il est super beau. Ouais. Ouais. Comme moi. Est-ce que vous... Non, il est rose, c'est pas beau. Mais oui, non, non, je comprends là. Oui. Après, c'est vrai que je suis stylé. Mais... Bah écoute. Mais tu es stylé. C'est vrai. Ouais, de ouf. Donc ça passe au final. Merci. Oui, bah... Comme ça. Bah écoute, de rien. Ça fait plaisir. Ah oui. Puis j'ai pas dû... je vous ai pas du tout forcé la main, quoi. Non, c'est... non, non, c'est plaisir d'offrir. Tout à fait. D'offrir des compliments mérités. Hop. C'est vrai que ça va plus vite quand on a plusieurs. Ah oui, quand on est à deux, c'est plus rapide. Hein. Ah non, parce alors que... imaginez quand on était à sept. Ouais, ouais, alors les convois, en ce moment, on en fait pas mal, donc ouais. On roule sur les mules et sur les bisons. Oula, comment ça... Ouais, moi je me dis, j'en garde un mauvais souvenir quand même des convois. Hein. Ouais, tu... ouais. Je crois que t'étais pas là à ce moment-là. Ah, peut-être, j'étais peut-être malade. Il y a un moment, on a fait un convoi, il y a un certain Patrick qui s'est dit que se garer dans la bonbonne qui est à côté, c'était une bonne idée. Ah, j'en ai entendu parler. J'étais malade, mais oui, j'ai entendu parler de cet événement. Ah oui, parce qu'il y a littéralement, hormis moi, tout le vignoble qui a fini au SMS. Oui, c'est l'histoire dont je t'avais parlé. Le fameux... Ah putain, la fameuse bonbonne qui était juste en face. Oui, mais tu vois, le amigas, là, en face. Oui, ouais, c'est celle-là. Voilà, ah, il a cru que c'était son ami, mais au final, non. T'as quoi? J'ai dit fur, voilà. Non, j'ai dit, il a cru qu'Amigas était son ami, parce que Amigas, amigo... C'est qui Amigas? C'est la bonbonne, elle s'appelle Amigas, regarde. Tout droit, ah, devant nous. Comme ça. Ah ça y est, je viens de tout comprendre. Eh. Ah oui, non, mais y en a qui cogitent. Hein. Technique, technique. La technique. Exactement. Moi, du coup, j'ai participé qu'à un seul convoi, il me semble. Il me semble, ouais. C'était marrant. Après, c'est marqué sur le planning de travail, si tu veux vérifier. Ah enfin, c'est, ouais, c'est les PB. Attendez, ah, vous oui. avez vraiment un truc qu'on voit? Oui, ça s'appelle PB. Ah, sur le planning, oh. Oui. Oui, oui. Si, mais... C'est quand on sort les 3 mules et au moins 8 bisons. Et qu'on travaille tous ensemble. Mais quel enfer, le vignoble. Vous êtes mais... au courant que c'est horrible. Mais c'est même pas prévu, ça se fait sur un coup de tête, on se retrouve tous dans les vignes d'un seul coup sans le savoir. Mais vous rendez compte que vous passez vos soirées littéralement à travailler, c'est horrible. Oh, en vrai, ça va. On travaille puis on sort. Ouais, voilà. Puis on gagne une prime si on fait un bison par jour. Enfin... Oui, je sais. Voilà. J'ai travaillé oui. ici, j'étais maître de chair. Ah oui, c'est vrai, pardon. Oui. Je... Oui, désolé, je prends la place de... Oui. Oui, mais en gros, en gros, c'est quand même vachement bien. Mais oui, du coup, je suis au courant de tout ça. Mais... Oh, regardez le ciel, il y a un peu d'étoiles. Mais tu trouverais pas ça mieux de ne pas travailler et d'être payé le double de ce que t'es actuellement? Ah? Ouais. Ouais, mais non, pour le moment, ça, j'aime bien ici. Ah, il y a un petit doute quand même. T'essaierais pas de nous employer par hasard? Oh non, non, du tout. Bah non, parce que... Non, je recrute pas actuellement, donc... Mm-hmm. Tu voulais pas un assistant? Ou une assistante? Ou un et une assistante? Si, mais la place est potentiellement déjà réservée. Oh, super! C'est cool, ça. Bah ouais. Ou alors, faut que j'arrive à trouver quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance, mais j'avoue que c'est compliqué. Est-ce que t'as pas confiance en la personne qui potentiellement sera ta nouvelle assistante? Bah si, mais le problème de cette personne c'est qu'elle est partie et elle m'a dit qu'elle avait pas l'intention de revenir, donc... Ah, mais je garde la place, on sait jamais. C'est vrai, c'est compliqué. En plus, elle travaillait chez vous. C'était Ambroisie? Non, c'est Ruby. Ah, je l'ai pas connue. C'est la même personne. Ouais. J'ai pas entendu. Oui, c'est juste que Ruby, c'est le surnom que j'ai donné à Ambroisie. Ah. Donc je crois que tu l'as connu, Ruby, du coup. Ah bah oui, du coup. Oui. Comme toi, tu t'appelles Bob, quoi. C'est chacun son surnom. Chacun son nom. Et littéralement le troisième mec à qui je donne un surnom. Ouais, et ben on finit sa tournée et on arrive. Let's gong. Ah oui, je me suis pas mis sur la radio du vignoble. Oh, quel dommage. Ouais. Ouais, alors... Ils t'attendent pour faire en même temps ta promotion, ta prime d'embauche, les primes de la semaine. Ouh. Super! J'arrive!
Ah bah ça va être le moment est parfait pour se faire licencier, non? Non! Mais il a toutes les primes, non, il peut faire tout ce qu'il fallait. Ne roule pas, je suis dessus! Oui, je roule pas, t'inquiète! Attends, je recule. C'est bon, tu peux venir. J'arrive. On va au point de vente, on rentre au vignoble et puis et puis voilà. Let's go. C'est parti. J'aurai une conduite exemplaire. Et une conduite très exemplaire. Parce que j'ai plus envie de retourner au Belize. Oh non. Si tu veux, on te remontrera le chemin à nouveau. Non, mais c'est pas si je sais où passer, c'est juste. Je dis ça pour rire un peu parce que voilà, mais. Ouais, enfin, ouais, j'imagine quand même. Mais ça fout quand même un peu les chocottes! Donc du Ah coup. oui, bah, j'imagine. On va faire sa vie des biens. Oh, c'est à pleine lune ce soir? Ah non, Ben, ah c'est pas non, à non, pleine j'ai lune. cru aussi, mais non. En fait, non. Ah, ils font une pub pour devenir journaliste au Vision News. Oui, Oula! ils recrutent aussi. Ça vient, c'est Thomas, t'inquiète pas. Je les conseille fortement. D'accord. C'est de la merde, journaliste au Wizard. Ah bah oui. Juste attention. Il va se prendre un truc, c'est sûr. Nous, on est protégés dans la voiture, pas lui. Oh là là, au secours. C'est parti. Il veut continuer à parler avec nous sur le côté. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Ils sont fous, les concitoyens. C'est clair. Il n'y a plus aucun respect des priorités. Plus aucun... Mais Enfin, non. je me dirais, moi, je respecte pas trop non plus. Ah mais tout à l'heure j'ai vu quelque chose d'incroyable avec une concitoyenne. C'était quoi? Elle roulait sur le côté. Tu sais, toi tu roules droit. Oui? Mais elle roulait sur le côté. Ah! J'aurais utilisé ces deux roues de côté et puis Les portes lui étaient sur le côté, elles étaient en avant et en arrière. Yes! Il y en a, ils sont créatifs, hein. Oui. Moi, du coup, j'ai pu avoir l'expérience de trouver des voitures qui volent. Ouais, ah moi aussi, tiens. Ouais, c'est incroyable, hein. Elle est vachement futuriste, en vrai, cette ville-là. Hein. Ah, tout à fait. Oh, j'ai pas eu le On n'a rien panneau. vu. Tout C'est va pas bien. grave, personne n'en a besoin ici. J'ai fait un combo de panneaux il y a 2 jours. Ouais. J'arrêtais pas d'en shooter, mais je le faisais. Faut pas le dire, mais je le faisais un peu consciemment. C'était Ça drôle. va. C'était drôle, c'était drôle. Ça avait l'air drôle. C'est Oui, rigolo. et oui. Un panneau égale 10 points, hein. C'est clair. Alors, je pense qu'Amanda du permis de conduire m'aurait regardé bizarre, mais. Pauvre Amanda. Après, elle commence à être habituée, hein. Je pense que si je la revois, elle me reconnaît parce que j'ai passé les 3 permis chez elle. Ah oui, à toi aussi. Ah bah oui. Ah, c'est pas la Ah compo. super. Ouais. Non, c'est la prochaine. Allez, ça avance pas. Moi, j'ai pas le temps. On n'a pas le time ici. C'est clair. Super. Let's go. Let's go. Let's gong. Hop. Allez. On y est bientôt. C'est parti. Ouf. Eh, de justesse. Un arrêt maîtrisé. Ah mais les arrêts de précision, ça me connaît, hein. Regarde là, hop, un stop. Pile poil avant la Let's ligne. go. Putain. Non, par contre, tu avances pas quand j'avance. Super. Ça serait gentil, ouais. Super. Et maintenant, let's go. La vente, let's go. Juste avancer un petit peu la voiture. Oh, c'est bon là, je pense. Ok. Et pour le vignoble, allez, allez. Oui, c'est Oui, c'est moi. moi. C'est C'est toujours toujours moi, moi, oui. oui. Hop. Ils ont essayé de contacter?
Ça va? Oui, oui, c'est ok. Alors, j'ai rien entendu, elles ont parlé ou pas du tout? Moi, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu non plus. Non reçu. Du coup, vois ça avec Axel, je vais aller me coucher. Bonne nuit à toi. Ok. Bonne nuit. Merci beaucoup encore une fois de m'avoir d'avoir bien voulu m'embaucher. Voilà. Alors, tac 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 tac, si je me mets là, c'est bon. La question est, est-ce qu'on passe au Bénise ou pas après? Bah en soi, je pense pas qu'on ait besoin avec la voiture. Elle est en bon état. C'est vrai, donc pas besoin. C'est marrant le mot bon état. Enfin, je sais pas, pour moi il manque quand même un truc, ils avalent une vitre au devant. Ah, moi je vois la vitre. Ah, bah ok, c'est relatif. Ah, moi aussi je vois la vitre. Toujours pas reçu. Non reçu. T'entends, Oli? Je t'entends. Oui, du coup, Charlotte te disait que pour la prime. Vous recrutez toujours, Ovinio? De Mathieu, c'est Axel qui s'en occupera. Oui, j'ai une question, pas de soucis. Aussi. C'est important, les petits oiseaux, ok? J'en ai besoin. Oh, Charlotte, je t'entends. Je vous entends aussi. Et moi, je les entends toujours pas. Oh, je suis désolée. Tu veux revenir au vignoble? Oui, et du coup, pour sa promotion, parce que Mathieu va être promu aujourd'hui. Oh, ok, d'accord. Let's go! Let's go! La promotion, la promotion! Let's go pour Mathieu! Oui! Tu passes mignon! C'est trop bien! Je suis trop content. Je passe vigneron ce soir, let's go! Let's gong! Let's gong! Ouais, ouais, ouais! Oh, ouais, ouais! Ouais, ouais, ouais! Ouais, 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 ouais. Ça, c'est dingos. En plus, on aura fait super vite le bison. Ah bah, à 3, ça va vite, hein. Ah bah, justement. C'est clair! Ah non, parce que tout seul... Assez long, des fois, seul. Hein. C'est un peu long. Ouais, c'est un peu long. J'écoute en un peu vrai, de musique. Vous auriez bien aidé, mais vous pouvez me faire taper sur les doigts par vos patrons. Oh non. Non. Bah non, pourquoi? Bah parce que je suis pas supposé faire votre taf. C'est vrai. Ah, t'as déjà tout pris? Oh, oui, il a tout pris. OMG, bah, il me reste plus qu'à vendre les miens, du coup. On est efficace ici. On voit la différence entre les intérimaires et les vignerons. Les maîtres de chais. Les maîtres de chais. Ah pardon. C'est plus que ça encore. Il y a pas de mal. On arrive au bout, on arrive au bout. Ouais, je manque toujours la. J'aurais une vraie question pour toi, Violette. Oui. Il y a quoi comme différence notable de ton point de vue entre vigneron et maître de chais? Alors maintenant, les maîtres de chais peuvent assister au recrutement, aux réunions RH. Ok. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Ouais, non, avant, n'importe qui pouvait y assister. Oui. Maintenant, on est là dans les décisions, bon. Savoir qui on engage, qui on n'engage pas. C'était mon cas aussi, mais lui, on m'écoutait pas après, mais ça, c'est un... Oh non! Oh non! Oh, désolé, je vends toujours, hein. Moi, j'ai terminé, c'est bon. J'ai tout vendu. Il m'en reste 30 à vendre. Ok, ça va, c'est bientôt fini. Moi, j'ai mangé un bout, moi. Un bout de quoi? Mange, s'il te plaît. Un burger. Je veux des burgers. Mange, s'il te plaît, ne fais pas comme un employé qui était là, qui n'est plus là maintenant. Oh non! Qui s'est évanoui en plein entretien d'embauche au vignoble. Ah oui, le fameux chapeau de la honte. Le fameux chapeau de la honte. Le fameux... C'est bon, c'est vendu. Let's go! On y va! Attention Thomas! Oui. Ok. Du coup, on va au vignoble. Est-ce que tu veux un petit point? Ah, mais c'est bon, tu l'as mis. J'ai mis le point. Hop!
On passe pas par Carson là normalement, non? Attends, je regarde. Non, on ne passe pas par Carson, on passe directement sur la freeway. Super. Let's go! Let's gong! Let's gong! Elle est très bien cette mixtape, hein, d'ailleurs. Oui! On en avait déjà parlé vite fait. Oui. En plus, je l'ai réécoutée un peu récemment et j'ai mis aussi la chanson 7 Up. C'est vrai qu'elle est pas mal. Ouais. L'aspect un peu pop et tout, j'aime bien. Mm. J'adore la pop. Hop! Super. Il y a la vérité aussi qui est pas mal. Oh, la vérité est tellement bien. D'ailleurs, je me demandais si c'était une référence à Représente, la vérité. Et en vrai, je pense que oui, un peu. Hein. On est d'accord. Hein. Parce que c'est les mêmes acteurs. Donc, oui, c'est les mêmes acteurs. Puis ça parle d'être riche, de dettes privées. Ouais, donc je pense qu'il y a de quoi. Hein. Il y a quoi penser que c'est ça. Ah, ouf. Retour au DEFCON 4. Soulagement, un petit peu. C'est qui? Le DEFCON 4, c'est le niveau de sécurité de la ville. Le niveau de sécurité de la ville? Oui, par exemple, DEFCON 5, c'est tout tranquille, pépouze. DEFCON 4, la police peut commencer à fouiller. DEFCON 5, 3, ils nous fouillent et ils peuvent fouiller des véhicules sans mandat d'arrêt. Ok. Oui, parce que c'est un petit peu la panique en ville dernièrement. Ah oui, c'est passé quoi? Alors, ben, les gants, enfin, les malandrins qui font leur coup comme d'habitude. Ouais. Et dimanche, il y a eu un sergent qui a été retrouvé décédé dans le cas de ses fonctions. Ah ouais? Ouais. Comment il s'appelait? Mark Ackerman. On l'a déjà croisé? Je ne sais pas si tu l'as déjà croisé, mais personnellement, Olivier Dumb le connaissait. Ah putain. Donc ouais, c'est compliqué à gérer. Ah ouais, j'imagine. Et on sait qu'il y a... on sait qu'est-ce qui lui est arrivé? Pas vraiment. Enfin, ah. En tout cas, moi, j'ai pas les infos. Imagine, c'est encore les Mistral. Ah, j'espère pas, ils sont énervants. Bah d'un côté, c'est les plus énervants. Mm. De ce que disent les gens, en tout cas. C'est vrai, c'est ce que disent les gens. C'était un de leurs coups foireux. Mmh, peut-être. Je sais pas du tout. En tout cas, il y a une enquête LSPD en cours, donc... Ouais, bah oui, normal. Ouais, il devait être meurtri là-bas. Mmh. Peut-être qu'ils ont pu appréhender le criminel si on est repassé en DEFCON 4. Je pense surtout que c'est parce qu'il s'est rien passé de grave en ville depuis plus de 24 heures. Ah. Ah oui. Hop. Mais oui, moi dimanche j'étais pas là, c'est pour ça que j'ai pas pu... Enfin, ah, j'étais oui. pas là, j'ai... Non, j'ai pas oui, assisté. C'est... Ouais, c'était compliqué dimanche, on va dire. Ouais, bah oui, j'imagine. On a dû faire tout ce qui était administratif avec June et Charlotte. Et après, il y a eu cette histoire. Du coup, on n'a pas vraiment travaillé. Ouais, bon, c'est exceptionnel, quoi. Voilà, tout à fait. Hop. Ah ben, le bénis est fermé. Mais très bien. Pourquoi il tourne au dernier moment, en face de nous? Je sais pas, ils conduisent mal. Ils conduisent très très mal. Enfin, je dis ça et moi je fais pas mieux, mais bon, c'est pas grave. C'est quoi, tu as roulé comme la concitoyenne que j'ai vue tout à l'heure, tu vois? Mais vraiment? J'aurais peut-être à prendre, ça va peut-être les intimider. Elle roulait vraiment sur le côté. Ça demande d'un sacré... Comment dit-on ça? Un sacré style et déjà d'un sacré skill aussi pour pouvoir maîtriser sa voiture d'une telle manière. Oui. Bravo elle, bravo. Oh, je déteste ce virage. Moi, oh, il est horrible. Une fois, June, elle s'est plantée ici. Planté? Oui, son véhicule est sorti, il a fait boum! Ah! Dans le ravin. Ah ouais, pas ouf! C'était au début où on travaillait au vignoble. Mais il va peut-être faire un petit call radio pour dire qu'on rentre parce qu'il ouais, faut prévenir. Ouais. On est de retour au vignoble dans quelques secondes. Ok,
paquet reçu. Let's go. Ben voilà. Comme ça, c'est fait. Super. Mais du coup, June est maître de... Non, June est co-gérante. Co-gérante, ok. Comme Charlotte qui est co-gérante et Axel qui est co-gérante aussi. Ah. Donc trois patronnes. Tout à fait. Oh, on a fait du deux roues, c'était incroyable. C'était très stylé. Mais un peu peur quand même. J'ai eu très peur aussi, mais j'ai confiance en toi. Je trouve que je m'en sors plutôt bien en conduite, ça. Ça va, tu t'en sors très bien même. Ok, let's go. Allez, on est bientôt là. Ouais. Ça avance plus vite qu'avec ma Vespa, hein, honnêtement. Je veux bien te croire, oui. Ah, c'était laborieux. Hein. Ah, j'en ai déjà entendu parler des montées en Vespa. Hein. C'est horrible. Plus jamais. En ville, ok, ok. Pourquoi pas. Oui. Mais là, pour remonter aux vignes, c'est compliqué un peu. Ah non, c'est affreux, plus jamais. Je laissais ma Vespa pourrir là, le temps de pouvoir la... Comment dit-on ça? Oh non, il y a un truc mort. Ouais. Voir la booster. Je pense qu'il y a moyen que je fasse en sorte qu'elle aille plus vite. Ok, let's go. Let's go. Bonjour, bonsoir. Coucou. Ça va? Et salut. Elle est cool, ta veste. Merci. Ça va? T'es sûr que ça va? Et limite, dans ton t-shirt, pas dans ta veste. Ah, comment ça? Il y a des petits trous. Ah oui, j'ai pas vu. Ah oui, c'est comme des géox, il faut que ça respire. C'est important, bah c'est de l'argent. Oui. Faut que je te prête une voiture du coup si tu as cette veste. Ah oui, je vois oui. De quoi tu parles. Ah, tu ne l'as pas connue, mais Tanguy, ancien patron et sac à merde. Mais oui. Il aimait bien l'argent, il avait la même veste, sauf que lui c'était avec des vrais billets. Let's go! Ouais, passeurs de Tanguy. Mm-hmm. C'est bon. Stylé. On va s'occuper de ton car. Ok, let's go. Allez. Oui. Allez, t'es passé par le vignoble, on va te découper. Ok. Axel. C'est une blague. Axel. Let's go. Voilà. Promotion. Super. Merci beaucoup. Voilà. Let's go, je suis maintenant vigneron. C'est super. Tu vas pouvoir t'occuper des messages d'entreprise maintenant. Let's go. Merci beaucoup. Eh ben c'est tout à fait normal, hein. T'as passé ta semaine avec brio. Hein. Merci beaucoup. C'est vrai que t'as fait vachement mieux qu'un certain juste avant toi, mais... Oh, bah, 4 jours de présence, le seul son où elle a pas perdu son pigeon, c'est parce qu'on était avec lui, en train de le former. Oui. Un peu triste. Ah, vous parlez de... Oui, de Zigoto. Oui, de la soupe miso. Soupe miso. Oui, ça va aller. Non. T'inquiète, il est plus là, c'est bon. Il y a des cyclistes, si tu veux, tu peux les mordre. Ah oui, il y a des cyclistes. En effet, ils sont là. Non, parce que dans cette histoire, c'est quand même moi qu'on avait pris le plus pour mon grade, quoi. Oui. Pourquoi? Il y a eu une phrase très cringe, et après, il y a eu une autre phrase avec « Femme au volant, mort au tournant ». Je vais aller déboîter un cycliste pour me calmer, j'arrive. Non, attends, pas la violence, non. Non, c'est une blague. Et ouais, je préfère ne pas dire l'autre phrase très cringe qu'il y a eu, mais ouais. Oui, j'imagine que c'est dans le même calibre. Pire même. Ah. Pire. Beaucoup pire. Pire, ah. Oui. Ouais, ça a été très, très, très déplacé, là, on va dire. Ah oui. Tanguy, il est mort de cringe et d'une balle de Ah, il est mort pour de vrai? Ah oui, non, Tanguy, il est vraiment crevé. Hein. Ah. Mais non, l'autre, il est en vie, ça va. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu depuis. En fait, on l'a engagé, il a fait de la merde, on l'a pas vu depuis, parce qu'il avait des horaires un peu chelous. Et on l'a viré, on l'a jamais revu. Ah. Mais bon, on pense qu'il va bien. Ah. Oui, oh, il a dû dire un truc pas cool à une femme de Mistral, il a dû mourir. Mais non. Peut-être. Il a klaxonné devant Gemma. Il allait à Forum Drive, c'était son jour de scène. Voilà, c'est ça. Son dernier jour. Pardon. Pas de soucis. Je rigole alors que bon.
J'ai failli. Faut bien rire. Faut bien rire un petit peu quand même. Il faut bien en rire. Il vaut mieux rire qu'en pleurer. C'est oui, clair. C'est ça. Bon, du coup, Axel, tu lui as donné sa prime ou pas? Oh. Alors. Hop, il me recule. Il y avait. Attends, faut que j'aille regarder pour être sûr. Alors. Ça va, sinon, c'est June. Bah, ça va et toi? Bah, il y avait 1600 de travail et 2000 de prime à l'embauche, donc 3600. Let's go! On a été au commissariat. Mais du coup, tu devras passer au. Génial. Ouais, c'est par rapport à. Ouais. Comment? Au tout poste. Dire, enfin, au poste. Distributeur permet tout ça sur ton compte. Oui, merci okay, beaucoup. Ouais. Super. Et je t'apprendrai à. Ok. À. Ouais. Gérer les messages et à vendre demain ou dans la soirée si tu veux. Ok. Donc bon, voilà. Ok, juste ouais. Pour une affaire qui date d'il y a déjà un mois. Youpi. Oh, ça fait déjà un mois, au secours. Ça fait déjà un mois, ouais. Trop bien. Un mois. Ouais. Mais c'est vieux, quoi, il se réveille un peu tard. Let's go, Mathieu a été promu. Oh, super. Let's go, j'ai été promu. Bravo, Mathieu. Let's go, il a été promu. Merci beaucoup. Let's go, Mathieu, t'as des moulas. Oui, la moula. Charlotte, il faudrait que tu viennes voir après Mathieu. Il rend hommage. Ouais, il faut quoi avec Mathieu? Ouais, attends. Il y a un super hommage sur lui. Attends, faut que je prenne un selfie. Oh, avec la voiture. Ah, oui, avec la voiture. Oh là. Avec la voiture, par pitié. OMG. Vas-y, prends un selfie avec la voiture. Mais les gigabelles, moi j'ai une Vespa qui marche pas. Regarde, t'as un cri de retour. Attends. Attends, mais à quel moment t'as une caisse comme ça, toi? Mais non, c'est pas ma caisse. Depuis quand t'as une caisse comme ça? Attendez, comment on fait un selfie? Tu regardes où tu voles ma voiture. Ah, comment... c'est à toi? Oui, bah, j'ai économisé 3 mois pour me l'acheter. Comment on fait un selfie? Attends, viens, attends, je vais t'ouvrir la porte. Essaie d'appuyer sur ton muscle molette. Alors, ça fait que zoomer et dézoomer. Non, alors... appuyer, pas scroll. Ah, pas scroll, appuyer. Oui. Ah d'accord, alors, ok. Ah, mais je suis j'ai l'impression de revoir un costume que j'ai vu il y a très longtemps. Ouais, ouais, c'est j'ai... Bébé, ouais. Ouais, j'ai l'impression de... Ouais, il manque les chaussures dollar et il manque la chaîne dollar. Oh, putain, mais vrai. Ah, mais je voulais... Ah. Voilà, super. Tu ne fermeras pas le capot. Trop bien. Let's go. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, du coup... C'est bon, j'ai pris ma photo. Mais qu'est-ce qui... Oh. Allez, alors j'ai un super projet à te proposer. Quand t'auras assez d'argent, on va aller t'acheter un Patriot Stretch. Non. C'est un espèce de gros 4x4 limousine, non. Et en fait, tu peux mettre une peinture avec des dollars dessus comme la veste. Dis non. Oh. Non. Bah, écoute, je me suis trouvé un nouveau challenge dans Los Santos. Ah, c'est quoi? C'est d'être millionnaire. Ah, mais enchanté, Mathieu, c'est aussi mon projet. Let's go, mode millionnaire. Oui. Let's go. Attends. Ah non, je me suis trompé de bouton. Je me suis trompé de muscle. Super, j'ai le même projet que toi, sauf qu'à mon avis, je suis plus proche que toi. Oui. Oui, pas eux. Mais t'es là depuis plus longtemps. Oui. Et t'achètes rien en plus, t'es un rat. Eh non, si j'ai acheté des choses, j'ai acheté une jaquette que j'ai custo, j'ai custo une panto, j'ai acheté une moto que j'ai custo. J'ai une question. T'as acheté 4 Est-ce qu'on peut rendre une Vespa qui va vite? Enfin, est-ce qu'on peut la rendre Non, c'est de la merde. Non, n'achète pas de Vespa. Ah, c'est trop tard en fait, c'est pour ça que je demande. Ouais. Mais c'est de la merde les scooters. Non, mais il y a une très bonne raison à cette histoire. On va devoir le tuer du coup. Non. Au pire, je peux la. Vous, sinon je te frappe. Au pire, je peux la vendre ma Vespa genre à 1000 ou à 500. Tu peux me la donner hein, sinon. Non, et tu veux l'acheter d'une falaise. Écoute, si tu veux, je peux même te la donner. Mais je sais pas comment faire. Faut aller à la mairie. Oh, non, faut aller à la mairie ici, des papiers et tout, c'est chiant. Et tout. Oh, je ferai ça une autre fois alors. Tiens, je te donne un truc, mais tu payes 6000$ de frais de dossier, bisous. Ah. C'est un peu vrai du coup. Ouais, c'est ce qu'on m'a fait parce qu'on m'a donné un espèce de gros 4x4. Ah. Ouais. Et en gros, faut savoir une chose, généralement j'achète pas mes véhicules, on finit par me les donner. C'est pour ça que t'as plein d'argent. T'achètes pas à manger, t'achètes pas à boire, t'as pas de loyer, t'achètes pas de véhicule. C'est l'avantage de bosser au vignoble. Exactement. Fou. Let's go. Parce que toujours le rat intelligent, proche des humains. Discret, intelligent, proche de l'homme. C'est ça. Le rat, discret, prudent, intelligent, très proche de l'homme. Le rat conquis le monde. Incroyable. Mais elle est dingue cette voiture.
On a les mêmes références. Bah écoute, Mathieu, je te soutiens dans ton projet d'être millionnaire. Ouais, milliardaire peut-être après. Milliardaire. Millionnaire peut-être après. Non. Non, c'est millionnaire. C'est millionnaire. Oui, millionnaire d'abord. Milliardaire, Millionnaire d'abord. Bah non, milliard c'est après. Oui, mais millionnaire d'abord. Bah oui, millionnaire d'abord. Oui. On a du mal à se comprendre, j'ai l'impression. Ah. Ça arrive, je parle un peu du nez, c'est pour ça. Ah oui, peut-être. Ça arrive. Oui, mais en tout cas, je te soutiens à 100%. Mais d'où, ça sort d'où ce projet? En fait, j'étais aux vignes et tout, et je réfléchissais. Mm-hmm. Et je me suis dit, j'aimerais bien avoir plein d'argent. Et du coup, voilà. J'ai un super plan pour toi pour avoir plein d'argent. C'est quoi? Tu deviens avocat. Oh. Ouais, mais moi, je sais pas te défendre. Deviens un maire. Déjà, pour me défendre, c'est compliqué. Parce que Alors, moi, j'ai une super technique. Et alors, le truc que tu fais, c'est que tu braques les impôts. Ah, vraiment Tanguy, là. Oh non. On dit qu'on vraiment... arrêtait avec ça. Tu fais une Tanguy castagne. C'est-à-dire que tu commences par un petit boulot, puis après, t'en chopes un autre, puis après, tu braques ton boulot. Et puis après tu changes de boulot, tu reviens à ton ancien boulot, c'est très compliqué à suivre. Et puis après tu tues quelqu'un, et après tu essaies de t'enfuir, mais et non, ça finit mal. Moi je tue personne, moi. Moi je veux juste gagner de l'argent. Ah oui, non mais gagne de l'argent. Oui. Ouais, bah oui. Si tu veux pour un 4x4 où tu peux mettre de la peinture avec des billets dessus, il y a le Lance Talker, il coûte 23 000 et tu peux mettre des billets partout. On me l'a pas dit ça que ça existait. J'ai dû te le dire 3 fois, mais ok. Il ressemble à... Bah attends. Je vais me coucher, des bisous, bonne soirée. Bonne soirée, bisous. Joey. Ah, oui. Bah du coup, il est pété quelque part. L'ordre des priorités part. De Joey, bordel de merde. Oh non. À mon avis, il faut que j'aille récupérer ma voiture. Je peux te déposer. Ah bah écoute, moi je veux bien. Dans cette voiture-là. C'est ça. Ouais. Ça va vite, oui. Ah, let's go, hein. Bah oui, j'attends que les gens partent se coucher. Il y a quelqu'un dit Mathieu en vigneron sur l'intranet. Oui, c'est moi. Non, sur l'intranet, pas encore. Pas sur l'intranet, mais. Il y a Dorothy aussi à mettre en vigneron. Ouais, mais elle n'a pas encore été promue. Il y a. Merde, comment il s'appelle déjà? Valentino. J'allais dire Michelangelo, mais non, c'est pas ça. Valentino, ça sera pas tout de suite parce qu'il a pas fait sa semaine. Oui, il est pas là. Il est absent. J'aime bien les gens qu'on embauche et après ils disparaissent, ils font pouf, ça fait du choc à pic. Quand on fait pas de la thune, ça va. C'est vrai. Bon. Mais non, en tout cas, ça va attendre une semaine de boulot. Mathieu, toujours debout, rassurez-vous. Hein. C'est clair. Il est surprenant, toujours vivant, alors qu'il est passé par Carson. Ah non, mais ça, par contre, je peux le mettre sur mon CV. Hein. Ouais, il est passé par forum, c'est pire. C'est encore pire. Oui. Non, mais tu fais plus jamais ça, hein. Ah mais oui, hein, je pense que si je le refais, dans tous les cas, ce sera ma dernière. Et tu ne passes pas par... attends. C'est par où faut pas passer déjà? Il y en a tout le temps sur la ville, faut pas y aller, c'est chiant. En fait. Tu passes par 7077 et 7078 au niveau de Eclipse, Spanish Avenue et North Archer Avenue. Alors, ouais. 7077... 17. Oui, il y a un parking public là-bas. Mais on n'y va pas. Ouais, non, il est plus public. Et tu ne vas pas au niveau de la Fuerte Bianca, évidemment. La Fuerte Bianca, de toute façon, je pense que c'est excentré, non? Non, c'est sur la route. Non, c'est à côté de chez nous. Ouais, c'est la route en fait où quand tu vas à de la transfo du jus de raisin, tu descends dans le nord et tu passes devant. Sauf qu'il faut jamais s'arrêter devant, faut jamais percuter des voitures blanches devant. Et il faut. Ouais, ça serait bien en fait que, je sais pas, de survivre, ça serait pas mal. Ouais, c'est une très bonne chose, ouais. Voilà. 5024 route 13.B. Ouais, si non, si jamais. Alors la Fuerte Bianca. Une fois, je les ai vus, les hommes en blanc. Ils sont terrifiants. Ouais, moi aussi, je les ai vus au Bénis. 24. Ils cherchaient MST, toi aussi? Non, je sais pas ce qu'ils voulaient, mais ils ont dit que le bison était dégueulasse. Ah, ok, donc là, pas le droit. Ok, d'accord, je note. Non, pas le droit, sinon tu meurs, point. Ah ouais. Ouais. Parce que là encore, ils ont été sympas, Mistral. Eux, ils te prennent par les pieds, ils te donnent à manger aux cochons. Ils ont fait exploser de la voiture de Tommaso, sa préférée, et ils lui ont pété ses dents. Non, mais. Il parlait aussi, un peu comme ça. Aussi, Tommaso, entre nous, il l'a cherché. Je sais pas ce qu'il a fait, je m'en fous. Son Tommaso s'est déguisé en homme en blanc et il faisait comme s'il faisait partie des leurs. Thomas, Sam Tommaso, non, Sam Tommaso. Ah, je suis en mode. Comment ça, Thomas a fait ça? Non, oui, Thomas, il est pas fou. Oh, je le vois des fois sur Twitter.
Oui, bah écoute, bah, voilà. Tiens-toi loin de lui, c'est pas mal. Ah, ok. J'ai rencontré un Pour te parler des petites têtes de singe. Oui. Du coup, à l'observatoire, t'en as une et elle est à l'étage de l'observatoire. T'as des petits escaliers, tu dois passer une barrière et t'en as une là. Et t'en as un petit peu partout en ville, faut les chercher. C'est un très bon jeu, moi, je trouve. Ah, bah écoute, je ferai ça. Hein, parce que. Vu que j'ai pas beaucoup visité Los Santos au final, je voulais aussi organiser à un moment donné une petite randonnée. Ouais. Bon, ça fait des mois qu'on essaie d'organiser une randonnée, ouais. On n'arrive jamais. Sauf que maintenant c'est compliqué parce que les pumas sont revenus. Oui, il y a des. Oh, il y a le puma. Méfie-toi des pumas. Ah oh, oui, par pitié, pas les pumas. C'est pas ouais, des pumas. On m'a dit sur Twitter. C'est mieux que tu sois armé si tu te balades avec, dans la nature et que tu ouais, mais faut, rencontrer faut, des pumas. Ouais, mais il faut passer le pépère. Achète-toi un taser. Alors, ouais. Non, je passerai peut-être PPA aujourd'hui. Ou quelque chose comme ça. Ah. Bah écoute, au pire, un club de golf. C'est pas légal. Golf, mais c'est pas légal. C'est pas légal. Non, tu peux acheter des couteaux, ça marche. Attends, tu peux acheter couteaux, dagues antiques, tessons de bouteilles, tu peux. Non, les clés à molette, c'est tout, non. Tout ce qui est l'armurerie, tu peux en mettre. Ouais. Sauf le pistolet, évidemment, il te faut le PPA. Le PPA, ouais. Qu'est-ce que c'est PPA. C'est le permis de port d'armes. Ok. Et ouais, ça, ouais. Il faut passer par le LSM et le SMS, puis après, il faut voir... Ah, t'as un trou dans ta chemise. Oui, oui on l'a dit. Oui, oui, t'inquiète pas. Ça arrive. C'est Géox, la chemise qui respire. C'est ça. Oui, voilà. Pourquoi j'entends un hélicoptère? Parce qu'il y a un hélicoptère qui passe ici tous les jours, maintenant. Je le vois pas dans le ciel. Je le vois pas, mais je l'entends tous les jours. Est-ce que vous pensez que c'est le Speedy qui se met en haut en disant bon, est-ce qu'ils font des choses illégales? Oh, pas pitié, non, pas eux. Bon, non. Bah, non, vous avez parmi vous la plus grande bonneteuse de Los Santos. Donc... oui, c'est vrai, t'es là. Bah oui. Oh bordel. C'est qu'on est parce que t'es pas au courant. J'ai rangé la voiture. Qu'est-ce qui se alors, passe okay. Je raconte cette histoire à tout le monde parce que ça me fait incroyablement rire. C'est que du coup, hier, il y avait une conférence de presse par rapport à ce qui s'est passé dimanche. Mm-hmm. Pourquoi on est en DEFCON ? On était en DEFCON 3, patati patata. Et en fait, on est allé au parking du Bénis pour aller chercher une voiture d'Axel. Mais... Ah, Axel fait des bêtises. Et sauf qu'en fait, pendant un moment, Axel était comme ça et elle était en train de se faire kidnapper par Doc Lobby. Elle est restée comme ça un long moment. Et devant June, moi j'étais au téléphone un peu plus loin. Et en gros, t'as une voiture de l'Espidi qui est passée. Puis après, il y a une autre voiture du SPD qui est venue. Puis après, il y a une autre voiture du SPD qui est venue. Puis après, il y a Weasel News qui est venue. Et en fait, ils demandaient tous ce qu'il y avait parce qu'en fait, visiblement, le SPD était comme ça. À toutes les unités, il faut aller au parking du Bénis. Puis après, tu sais ce qui est drôle? Non. C'est qu'il y a eu un braquage à l'endroit où ils étaient de base. Du coup, en fait, ils sont tous partis de place centrale. Et en fait, il y a quelqu'un qui en a profité pour braquer la flicade de place centrale. Oh putain, non. Donc en fait, directement, je suis responsable de ça. Voilà, donc c'est la plus grande banditos de Los Santos. Voilà, je suis responsable du braquage. Au secours. Oui, au secours. Voilà. Ouais, au secours. Mais au final, ça a été le kidnapping. Bah oui, regarde, elle est encore là. Et par contre, je l'ai toujours pas rendu son âme. Hein. Ah, ouais. Mmh. Bon, ça va alors. Ça va, qu'est-ce qu'une âme? Rien. Ah, ça dérape pas loin. Ah non, c'est pas non, ça. Non, mais ça c'est normal, c'est parce que les routes du vignoble sont utilisées comme piste de drift par les gens de la ville. Ouais. Ah, y'a pas que nous quoi. Ouais, d'ailleurs, en parlant de piste de drift, j'ai vu un truc très rigolo tout à l'heure en revenant de la vente. Tu vois, les gens en général, quand ils roulent tout droit. Oui. Ils roulent droit devant eux. Oui. Et ben là, j'ai vu une concitoyenne, elle roulait sur le côté. Ah. Oui. Parallèle à la route. Non. Parallèle à la route, oui. Mais c'est ça va pas cette histoire. Perpendiculairement. Perpendiculaire, oui, c'est ça. J'ai oublié mes notes. Y'a rien qui va. C'est drôle. C'était. Ouais, j'étais en mode. C'est possible. J'aurais aimé y assister. Putain, j'ai pas vu ça. J'ai fait un petit peu tout à l'heure. J'ai fait de la deux roues et tout. C'était marrant, mais. Tout s'est bien passé. Alors, ouais. Moi, les enfants, je vais vous laisser. Ça fait 20 minutes que je dois être couchée. Oula, mais va dormir. Une heure et demie, mais ça... C'est quoi? Ça fait presque une heure qu'on est sur le parking. Tu dis, je vais me coucher dans 10 minutes. Non, c'était, il était 22h40 quand j'ai dit ça. Ah, ok. Voilà. Je vais me coucher. Je vous dis bonne nuit. Je vous aime très fort. Et bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit de même. Je vais me coucher. Bonne d'accord, bonne très nuit. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bisous. Bisous. Allez, à braquer une banque.
Il a encore oublié, il a encore oublié un truc dans mon bison, au secours. Oublié quoi dans ton bison? Quelque chose. Ah, je peux pas rentrer. Ah, pourquoi je peux pas rentrer? Yo, c'est ma voiture quand même. Mais il est ouvert. Magique. Let's gong. Elle vient pas avec nous. Tu peux sortir ton, bison, hein. On prend toute la place. Let's gong. Ah d'ailleurs, faut que je mette sur le planning que j'ai fait mon bison. Ah oui. Alors. Du coup, c'est dans planning travail, sur l'intranet. Hop. Nous sommes en octobre. Et nous sommes le 12. Super. C'est bon, j'ai récupéré ce que j'ai oublié dedans. Mais t'as oublié quoi? Quelque chose, Axel. Du coup, là, on va à la Fryer pour libérer une voiture. Ok. Est-ce que le bénis est encore ouvert ou pas? Ils sont en pause, je crois. Ah non. Je devais faire réparer mon picador, ça fait une semaine qu'il est là-bas. Oh putain, je veux pas que je te donne le mien à la place. Non, ça va aller. Moi, je connais ça. Mon bison, il a passé une semaine à Paléto. 2 semaines même. Le 4x4 FBI est au parking du casino. Ah, ok, oui. Oui. Il y a le FBI. Il y a quelqu'un. Non, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Oh, c'est la même en fait, juste qu'il n'y a pas le logo. Ah. Sur le code, tu dis Lone Stalker XL, je sais plus quoi. Je dis juste 4x4 FBI. Le fédéro, ça va plus vite. Ah oui. Hop. Oui, bah, trop long de dire Lone Stalker. Mais du coup, moi, je pourrais pas réparer ma voiture, moi, non plus, elle est à la fourrière. Ah, ça dépend. Ça a été niqué HS, non, mais sinon... Faut voir si c'est encore en pause ou pas. Ouais, j'envoie peut-être un message à Violette. Je sais pas si elle est là. Regarde sur le GPS. Et tu vois le logo du Bénis, en fonction de la couleur, tu sais s'il est ouvert. Ah bah, ils sont même plus en pause, ils sont fermés. Oh, putain. Ah, merde. On est d'accord que rouge, c'est fermé. Oui. Eh ben, c'est fermé. Il est 22h, du coup. 23h30. Oh. Putain de merde. Ça va aller. Axel? Oui. Ça va? Ouais, oui, c'est ok. J'ai plus peur. Oh. Bon, ça va, alors. Ah oui, en effet, c'est rouge. Bah, c'est fermé. Let's go. J'espère que ta voiture n'était pas détruite non plus. J'espère que non. Oh là, mais ah, c'est qui ce phare? Très con, lui. C'est bon, mais pourquoi il est à la fourrière? Parce que tu l'as oublié ou juste... Alors, parce que je n'avais plus d'essence. Ah, oui, il me faut acheter un bidon d'essence, du coup, si on pourra pas partir. C'est ça. Du coup, j'espère je crois que j'en ai. Ah, let's go. Il me semble que j'en ai un aussi, si tu veux. Mais les chauffards! Elle est vraiment sortie de nulle part, celle-là. Oui, elle est sortie du terre-plein, j'ai pas compris. Utiliser les routes, elles sont là pour ça. Oh, c'est marrant, ça. De... Le bâtiment à gauche. Ah, mais dans le chantier. Oui. Faut un jour que je fasse vraiment un grand tour de la ville. Oui, faut juste faire gaffe où tu passes. Oui, faut juste faire gaffe où tu passes. Oui, mais j'irai juste pas dans le sud, quoi. Surtout dans le... Oui, surtout pas dans le sud. Cette route-là, faut pas y aller, quoi. Juste à partir des quartiers là-bas, c'est chaud. Oui. Est-ce que tu as 500$ sur toi ou pas? Bah oui, du coup, vu qu'il y a l'argent de... De la prime. Oui. Oh, un picador, t'as vu celui qui est pété au lit? Pardon. Oh, oula. Okay. Mais personne sait conduire ici, c'est dingue. Merci. Vas-y, tu peux récupérer ta voiture. Let's go. Oh. Oh, elle a l'air de bien aller. Alors, attends. Elle a été réparée sur le chemin.
Ah, mon jerrycan est vide. Il y aurait pas de quoi le, il y aurait pas de quoi le remplir. Attends, j'en ai un si tu veux. J'ai un jerrycan normalement. Super, merci. Alors. Ah. Mais je voulais pas jeter par terre. Merci. Oui, quand ils sont vides, tu les jettes au sol. C'est bon, normalement tu l'as eu le jerrycan. Merci beaucoup. De rien. C'est Jerry quand il canne. C'est le whoop et tout. Ouais, Jerry des Total Spies, oui, tout ça. Allez. Ça fonctionne ? Voilà. Nickel, bah... Bah... Oh ! Mais... Mais... Bonjour ! Désolée. J'ai fait n'importe quoi, au secours. J'ai encore jeté mon truc par terre, alors je voulais pas faire. J'ai mis le... Oula, oula. Elle fait des trucs bizarres, ma voiture. Je pense que ouais, c'est parce que la voiture fait des trucs bizarres, je suis désolée. Je l'ai abîmé ou quoi ? J'ai mis mon jerrycan et il a pu en mettre un peu. J'ai fait n'importe quoi. Et bonsoir, ça va ? Bonsoir. Bonsoir. J'ai fait une petite entrée en scène un peu catastrophique. On a vu. C'est pas grave, c'est pas grave. Au secours. Bah ouais, là, mon vélo est en accélération intense. Je sais pas trop ce qu'il a, mais bon. Ça change pas bien. Ah, vous aussi, parfois, votre vélo, il avance tout seul ? Ouais, c'est ça. C'est un peu bizarre. C'est trop chiant. Ça a l'air compliqué. Ouais, c'est assez compliqué. Je pensais que c'était plus des gens qui avaient une voiture, j'ai l'impression. Bah oui, c'est largement plus compliqué. C'est ça. Et ça va sinon ? Bah écoutez, oui, ça va. Je récupérais ma voiture de la fourrière. Ok. Et la moitié du plein au passage, Mathieu. Ah oui. Ouais. Bah oui, du coup. Oui. Ok. C'est pas grave. Je serai remboursée. C'est la panique qui a fait que j'ai lâché mon jerrycan. C'est pas grave, t'inquiète pas. Tu t'es dit, ouais, il est vide. Ça, c'est l'émotion, ça. Oui, oui, ça arrive. C'est souvent l'émotion qui fait que j'agis de manière un peu débile. C'est pour cacher le fait que je le suis vraiment. Je connais ça aussi. Il n'y a pas de souci. Let's go. Pendant qu'on se voit, c'est toujours ok pour le 22 ? Le 22. Le 22, 22 pour octobre. Pour le Bromance Camp. Bromance Camp ? Ça, j'ai pas été au courant. Axel, c'est quoi cette histoire ? Je crois que ça n'a pas été. J'ai un appel. Je crois que c'est Charlotte que j'ai eu au téléphone. Oh. Ah oui, c'est fin problème. Ouais, allô. Et qui m'a dit que. Et qui m'avait répondu que apparemment ça serait ok. En fait, on fait un événement camping, scène ouverte, tout ça, avec notre association Les Bros. Ok. Et donc, l'idée, c'était, quand j'ai eu Charlotte au téléphone, je lui avais proposé que le vignoble vienne vendre sur le camp. Ah. Oui, mais on m'avait demandé si j'étais dispo, je dis que oui. Elle m'avait pas dit pourquoi. Juste d'accord, pour vendre, super. Quoi. Et du coup, l'idée, ça serait que si c'est ok, le vignoble puisse venir vendre ses vins, entre autres, sur la soirée. Ah oui, je serai là normalement, sauf urgence contraire, mais oui. D'accord, trop bien, super. Oui. Voilà, l'affiche va bientôt paraître. Pas plus. Elle est plutôt cool. Et du coup, on a intégré sur l'affiche les logos des entreprises participantes. Mais après, si au dernier moment il y a un souci, c'est pas grave. Mais elle est plutôt cool. Je suis assez contente. Juste pour prévenir, Axel, il y a la ferme qui va venir au vignoble. Ok, je vais pas vous retarder plus longtemps. Oh, il y a pas de problème. Il y a pas de soucis, vous en faites pas. Il y a pas de soucis. Et puis on se voit bientôt du coup. Oui, à bientôt. Je vais essayer de pas rentrer dans vos voitures. Il y a pas de soucis. En partant. Ce n'est qu'un c'est un vélo donc ça va, c'est ok. Bonne soirée également. Bonne soirée. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne soirée. Faites attention, il y a des gens qui roulent pas très bien. Oui, faites attention à vous. Ouais, on est chaud. Alors pire que vous. Salut. Du coup, on rentre au vignoble. Oui. Retour au vignoble. Let's go. Alors. Mmh.
Qu'est-ce qui se passe? Let's go! C'est parti! Ah oui, ça va vite, hein! Allez, let's go! Ça le fait, ça le fait. Ah, c'est ok. De toute façon, je pense qu'avec mon simple GPS, ça passe. Oh, je vais peut-être passer faire un petit coup d'essence. Excusez-moi. Non, je suis pas assez proche. Ah, ouh, c'est pas grave. Faudrait que j'aille faire pipi aussi. Voilà. Super. Bah, le taxi est ouvert. Bon, malheureusement, j'en ai pas trop besoin de taxi pour le moment, mais. Je pense que je vais aller rentrer dans ma voiture. Ah non, je pense que je vais enfermer ma voiture. Parce que je me suis dit, je vais peut-être aller attendre d'être au vignoble pour aller faire pipi, mais non. Très envie de faire pipi maintenant. Ok. Non, je voulais pas rentrer dans ma voiture. Non, c'est une mauvaise idée. Non. C'est une mauvaise idée. Je vais pas faire pipi dans ma voiture. Non, je vais juste faire fermer. Voilà. Et je vais faire pipi. Voilà, là c'est ok. Là c'est ok. Mathieu, tu vas bien? Mathieu, si ça va pas, fais deux calls en radio fantôme. Fais deux pipi. Si ça va, j'étais parti faire pipi. On a eu super peur en même temps. Désolée, j'étais super pressée. Non, t'inquiète pas. Si ça va, c'est bon.
J'arrive, y'a pas de soucis. Let's go. Mais... Mais les gens conduisent n'importe comment. J'ai plus de vitre arrière. Mais quelle horreur. Ah, je vais m'en sortir. Hop. Let's go. C'est quand même vachement bien de conduire. J'aime bien. Je suis contente d'avoir mon permis pour ça. Let's go. Youhou. Ce n'est qu'une poubelle, c'est ok. Oh non. Vite, partons avant qu'ils prennent la plaque d'immatriculation et m'engueulent. Let's go. Ah, mais il y a un de mes feux qui est mort. Ah. Ah, c'est pas rassurant. Mais ça va aller. Let's go. Ah, le restaurant est en pause. Ah. C'est parti. Super. J'avoue que je fais plus attention quand il y a quelqu'un avec moi que quand je conduis tout seul. Je sais pas si c'est autant une bonne chose. Ok. Let's go. Super. Ok. C'est parti. J'arrive dans pas longtemps. Mathieu, tu t'es perdu, ça va? Oui, j'arrive. Ah, ok, ok. Non, c'est juste que c'est vraiment long et on se demandait si ça allait. Y'a pas de soucis, je suis là dans 2 secondes. Ok. Ta veste. Tu te fous un peu de ma gueule, Axel. Ah, et tout le monde tombe. Pourquoi elle veut tomber? Elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule. Raoul, je vais pleurer. Ta gueule. J'aime bien. Elle se fout de ma gueule. On vient de la supérer. Tu sais qu'il y avait un ATM dedans. Il a la même veste que Kenneth. Oui. Non, moi j'ai surtout vu la voodoo et parce que Marc il en avait une et qu'on en avait tous une. Ah. Sache que pendant un moment, toutes les voodoo appartenaient au Speedy alors que c'est une voiture de gang. Ah bon? Tu vois, oui. Mathieu? Dans nos cerveaux, tu viens de faire une explosion. Pourquoi? Oh, c'est parce qu'elle coûtait pas cher. Ah oui, non, mais c'est une très bonne voiture. C'est un très bon choix. Mm-hmm. Ah, merci. Bientôt, tu pourras t'acheter un bijou comme héritier nu. C'est une très bonne voiture. Oh. Oh.
Écoute, j'ai très hâte. Je me suis donné comme mission d'être millionnaire. Comme ça, je pourrais m'acheter une grosse voiture. Ouais. Alors ça, ça c'est bien. T'as de bonnes ambitions. Pas assez, en fait. Oui. Non, je t'avoue que je m'attendais pas à revoir cette veste. La vache. Attends, si tu veux, je l'enlève, attends. Non, garde-la, t'en fais pas. Ah, ok. Vraiment, t'inquiète. Nickel. Tu sais ce qu'il te faudrait avec ça, Mathieu ? Quoi donc ? Un joli Patriot Stretch avec des motifs billets dessus. Ah, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Mais t'inquiète pas, ton ambition c'est de devenir riche. Quand tu seras riche, tu pourras te le prendre. Let's go ! Mais moi j'étais pas là, j'étais en vacances. Et pense à te trouver un super copain qui te fait bien rire. Pour le conduire avec lui et partager ses bestes. Let's go. Axel. Attends, 25. Axel. 26. Axel. 28. Il manque 3000. Axel. Il y a un bison. Ah, ça se revend 7000, un picador. Mais tu veux t'acheter quoi ? Charlie. Axel. Quoi ? Pendant 5 mois, tous les jours, je me faisais « Oh, j'aimerais bien avoir un picador » et là, tu veux le revendre ? Pour acheter la voiture. Oh, il est beau le ciel. Quitte le vignoble. Ah, mais non ! Mais non, Ali ! Bah Vigna, voyons. Non, elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule. Je suis burn-out. Mais non, arrête. Oh, attends. Pour arrêter le burn-out, on fait... Poup. Oh. Ah ouais. Ah, je comprends mieux pourquoi tout le monde fait ça. Ça soulage. Ouais, ça détend. Ouais, de ouf. Stop. Hop, let's go. Elle a défoncé le portail ou c'est moi ? Ah ! Bah j'espère pas. Ah, je devais aller à la ferme de base, au final je suis pas allée. Ah bah la ferme est devant toi. La ferme est devant toi ? Bah oui ! Bah, je sais justement, c'est pour ça que vous êtes là. Je disais que je voulais venir à la ferme. Ah oui ? Pour faire quoi ? Bah pour voir les lapins. Ah oui ! Ah. Il est trop mignon, au secours ! Mais oui, mais les lapins ils sont trop mignons. Tous les jours j'en caresse un. Ah, let's go ! Et Ali me dit qu'il ronronne dans les buissons, mais je vois pas ce qu'il veut dire. Si, mais je suis pas fou, je t'assure que... Tu vois la famille de lapins qu'on a à côté des serres, à côté de notre grange ? Oui. Quand elles passent tous les jours, parce qu'ils nous entendent arriver, ils passent. Bah, ils vont tous se retrouver dans le buisson. Je t'assure que quand tu vas vers le buisson, t'entends ronronner. Je te prends, mais je suis sûr que c'est pas Berry. Berry... Oui. Moi, je pense que ça va être comme des lapins là-bas. Berry ronronne, mais Berry ronronne pas comme ça. Alors pour t'expliquer, Mathieu, Berry, c'est le chat de la ferme. Mais un lapin, il y a un chat. Oui, mais on le voit pas souvent. Berry. Oui, il se cache beaucoup. Il n'a pas trop les inconnus. Il chasse beaucoup, etc. Donc c'est vrai qu'il est un peu caché. Mais il a sa petite panière dans la grange à côté des Saddlers. Oui. Trop bien. Oui, et c'est la mascotte de notre vignoble. De notre ferme. Ferme. Oui, je me disais bien, parce que le vignoble il est juste derrière toi en fait. Ta gueule. Ok. Je veux bien être la mascotte du vignoble. Non. Non mais je dis pas ça pour toi. Si vous avez besoin d'une mascotte, moi je peux postuler hein. Peut-être la salle du vignoble. Dis-moi. Moi. Est-ce que tu sais porter un déguisement poulet ? Mais non, pas un déguisement poulet. Sur ce collègue, t'as bien eu. Il faut un déguisement qui aille au vignoble. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? J'ai pas entendu. Un déguisement de baril par exemple. Tu m'as dit Oli, j'ai pas entendu. Quoi ? Attends, tu bricoles un peu trop dans ma tête. Quoi ? Tu rigoles un petit peu trop dans ma tête, désolé. Pas de soucis. Qu'est-ce que tu m'as dit ? J'ai pas entendu. Tu as dit, dis-moi. Ah d'accord. Ça m'a fait rire aussi. Tu commences à divaguer là. Vaguer. C'est mon moment de briller là. tu es une grande étoile ce soir. Oh, un petit peu trop. Let's gong. Ça fait du bien. Comme dans le ciel. Oh, la lune est belle ce soir. Let's gong. Pour deux gong. Let's gong. Ça va trop vite dans la chanson, j'arrive pas à suivre. Ah oui. Ouais. Moi je vais faire dip. Comme ça moi je n'arrive pas à la chanter. Elle est trop bien celle-là. Moi j'aime beaucoup 7 Up. Ah ouais, bah moi aussi. Moi j'aime bien Captain aussi. Oh, Captain. Buget. Yes, go. Bah après, Deep, moi j'aime bien les chanteurs, enfin les chanteuses qui sont dedans. Oui. Surtout une. Elle a les cheveux rouges. Ah, c'est. Elle a le nom d'une plante qui fait mal quand on met le doigt dessus. Oui. Par contre, la soupe, elle est très bonne. J'ai l'impression d'être le père fourrage dans Fort Boyard. Non.
perso, mon délire, c'est votre carotte. C'est pour la ref, hein, pour la soupe miso, mais. Ton délire, c'est quoi? Attends, oui. Votre carotte contrex. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Et Deep Deep aussi. Ouais. Elle est top, elle est top. Pas mal, pas mal. Non, on parlait de la vérité tout à l'heure. Oui, on parlait de la vérité. La vérité aussi. Ah, hein. Toute pété. La vérité est bien aussi. Oui, un jet privé. Hein. Privé, privé le jet, privé le jet. Jet. Privé, hein. Privé le jet. Elle est trop bien. Je devrais la réécouter parce que je l'aime beaucoup. Pour aller aux vignes, c'est marrant. Avec monsieur Antoun Daniel. Antoun Douniel. Ouais, c'est vrai. Antoun Douniel. Et Bougoura. Ah, c'est très étrange, oh, je les ai fait comme ça. Oui, il y a Bougoura. Bougoura. Avec Arty. Hein. Et Mooster VM. Les fameux, hein. Sponsorisé par Monster. Oh, Monster. J'adore la Monster, j'en ai bu qu'une fois, mais c'était très bon. Bah, vu comment t'as l'air énergétique, je pense que vu que t'en as bu une... Non, j'ai dû tomber dedans quand j'étais petit. Oh, j'allais faire la ref. Ouais. On me le dit souvent. Ah oui. Mais ça va. Et sinon, elle va bien, Axel ? Bah, justement, je lui ai envoyé un message. Une bagnole. Ouais, que fait-elle ? J'ai pas compris pourquoi. Il y avait quelque chose ? Oui. Je lui ai envoyé un smeuf-smeuf. Smeuf-smeuf ? Un smeuf-smeuf. Ouais, tout. J'ai voulu aussi essayer d'aller vers elle et c'est je vais laisser. Oh, faut que je me trouve une photo de profil pour mettre sur Twitter. Faut que je fasse ça. Attendez, je fais ma photo de profil maintenant. Ouais, alors si tu le fais, mets-toi loin de nous, s'il te plaît. T'en bouge pas. Ok. Reste là. Hmm. Ouais, prends pas la photo maintenant. Oh. Attends. Tu veux te mettre avec ma Super Diamond? Let's gong. Ça fait voiture de riche. Waouh. Alors. Vas-y, mets-toi devant. Oui. Attends, on va te mettre devant. Et voilà. Là. Mais tu te mets là. Ouais. Juste ici, tu tapes une petite pause. Ok. Et je te prends en photo. Mm-hmm. Ok, mm-hmm. Alors attends. Mets-toi un peu plus sur le côté qu'on voit l'avant de la voiture. Ok. Comme ça? Je fais ce que je veux. Parfait. Voilà, maintenant tu tapes une petite pause. Ok, alors Poussez-vous, vous deux, là-bas, les deux zigotos. Attends, non, celle-là, elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Tu me dis quand tu te sens ok. Ouais, je suis en train de chercher. C'est bien, là, non? Oh, c'est pas mal, ça. Vas-y, bouge pas, bouge pas. Parfait. Super. Attends. Je vais la prendre plus de ce côté-là. Hop. Là, j'ai un charisme dingue. J'aurais peut-être reculé, non? Recule un poil si tu veux. Ouais, attends. Tu peux essayer. Hein. Attends. Je recule. Si je me mets là, comme ça... Comme ça, je... Oh, parfait. Ah, là, c'est bien, là. Là, c'est parfait. Oh. Je crois que c'est Axel. On va attendre le temps qu'Axel passe et ensuite, let's go. Let's gong. Ok, parfait. Super. Ouais, bouge pas, je t'envoie ça. Ok. Je t'envoie ça par mail. Vas-y. Oh, trop bien, hein. Faut une super classe. Ah, il court à l'intérieur du vignoble. Bah, vas-y, au pire, je vous rejoins. Ok. Mmh. Axel, qu'est-ce qui se passe? Oh, je devrais peut-être pas être là. Axel. Ah. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, je crois qu'Axel ne va pas bien. Et en même temps, j'ai pas envie des pieds aux portes, donc du coup, je suis partie. Moi, je vais pas aller voir, honnêtement. Ouais, bah moi non plus, ça, si ça me regarde pas, je préfère pas... Voilà. Mais Oli est partie la voir, elle la connaît bien, donc... C'est mieux. On a oublié les oranges pour Abby. Ah. Ah. Je tombe avec vous. Ah. Je fais canner. Non, pas ce soir, moi je t'en fuis. Il est tard déjà. Hop, on se relève. Oh. Joli mouvement de jambe. Ça m'arrive. Je suis flexible. Flex. Flex. Ali. Te relève. Ouais, attends, je déprime là de mon côté là. Mais pourquoi? J'en ai ras le cul, j'oublie des trucs, je sais même pas ce qui se passe avec ça. Mais non, mais ça arrive, ça nous arrive à tous d'oublier. Ali, t'inquiète pas. Ah ouais. Ah, j'ai trébuché. Non, con. Oh, tu m'épuises. Attends, je vais voir la photo que tu m'as envoyée. Ah, tu es incroyable. T'es mal. C'est la meilleure photo. Elle est dingue. Elle est trop bien, merci. Ah, oh bah c'est... T'inquiète, hein. Me refaire si pas, c'est normal. Elle est trop bien. Un petit filtre et puis hop. Elle est très Instagrammable. Instagrammable. Ah bah c'est une diamond, c'est juste fait pour ça. Hein. Oh, ah, t'es ouf. C'est l'effet de la voiture, c'est pour ça. Ah ouais. Tout est grâce à la voiture. Elle a quand même vachement de charisme. Oh, c'est grâce à toi aussi, tu éblouis la photo. Non, c'est gentil. J'avoue, à cause de ça, il va falloir régler la colorimétrie. Ah, grave, il brille plus que ma voiture. Putain. Oh. Mais tu sais que je vois fou quand il est à côté parce que mes lunettes, putain, elles n'arrivent pas à filtrer tellement de lumière. Non, mais... Ah. C'est gentil. Je ne sais pas quoi dire, mais pas merci. Il y a quelqu'un qui est mort. Ah. Oh non. Madame. Quelqu'un est décédé. Madame. Oh, elles sont là. Mais c'est pas une bonne idée. Ok, mais ce sera pas fait. Ça va aller? Non, et toi? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup trop de trucs et j'ai pas envie de t'embêter avec tout ça. D'accord, y a pas de soucis. Mais si t'as besoin, tu me dis. Même d'un verre au bar, je suis là pour... Je peux te payer un coup. Bah, je peux pas l'alcool. Ouais, beaucoup d'alcool. Bah, tu peux boire du jus d'orange. Oui, bah je produis du jus de raisin, c'est presque pareil. Ah bah oui, bah tu fais fonctionner le commerce local. C'est bien. Oui, je m'achète à moi-même mes propres trucs. Ça va, c'est 10 dollars. 15. 15. Ouais, c'est 15, oui, particulier. Ah. Ah ouais. Ah bah autant pour moi. Une meilleure strat, c'est quand tu le produis, t'en prends un peu et voilà, tu payes 0. Tu payes 0, ouais. C'est vrai, c'est plus pratique. Après, t'as le travail de la main, tu vois, t'es payé par par les mains. Ouais, ok, ouais. Oui, par la sueur, ouais, de ton front. Tu payes par la sueur de ton front. Ok. Je suis pas à l'aise avec les mots. Ça mais m'arrive. T'inquiète pas. Voilà. T'inquiète, prends ton temps, c'est normal. Moi, j'ai un TDA et je suis dyslexique, donc... Ah oui, c'est vrai que tu me l'as dit, ça, je crois. Ça, prendre son temps, c'est ok. J'entends comme une sonnerie. Dyslexique. C'est Twitter. Voilà. Oui, bah, c'est dyslexique. Et ah, c'est vrai que j'ai parmi ma sonnerie Twitter, moi. Oh, Twitter. J'y suis allée pendant les... Je suis allée tout à l'heure. Ce monde fabuleux. Oui. À base de rageux. Comme tous les jours. Moi, je bois le jus de rageux, moi, tous les soirs. Ah, moi, j'ai mes oreilles. J'ai des trucs cool. En même temps, j'ai pas tous les soirs droit aux larmes d'Oli pour... Une horaire, donc bon, ouais, c'est quelque chose. Tu sais, Oli, que t'as le droit de le frapper, hein. Oh, vas-y, frappe-moi. Mais n'importe quoi. Faut que je passe au conseil, c'est aux... Enfin, aux banques et concesses. Alors. Si jamais tu veux venir pour éviter de pleurer, bah, à cause d'Oli. Enfin, à cause de... Quoi? Il y a Sony qui m'appelle. Pourquoi elle m'appelle? Ah. Allô? Allô, Sony? Sony... C'est pas un policier, ça? Mais pourquoi il va la voir? Il y a pas... Comment il la suit?
Ouais, j'en connais un qui aime pas beaucoup Sony. Ouais. Pourquoi? Parce que... Parce que j'aime bien voir mes amis heureux. Ah bah oui, normal. C'est une des raisons de pourquoi j'aime pas Sony. Enfin... Ouais, c'est moi, faut pas chercher à comprendre. Non, quand mais ça passe pas, ça passe pas. Je comprends. Let's go. Parce que Sony, c'est un des policiers qui est corrompu? J'en sais rien, honnêtement, si elle est corrompue ou non. Ah. J'ai envie de dire, à partir du moment où tu fais copain-copain avec des criminels alors que tu fais partie du LSPD, je sais pas que t'es corrompu, mais bon. Bah, du coup, si, t'es corrompu. Tu dois pas être tout clair non plus, quoi. Oui, c'est ça. Oula. Oula, qu'est-ce que. Non, ça m'arrive. Des fois, je me flappe la cheville. C'est ok. Non, j'ai eu un problème de cheville, ça va. En fait, ah, mais peur. Mais aïe, au secours, mes oreilles. C'est Twitter? Ouais, c'est Twitter, il est en train de m'agresser les oreilles. Ah. Il avait quel au téléphone, là? Oui, pour savoir quand l'horaire à laquelle M. Tyler est passé au vignoble. Parce que je n'étais pas là et Charlotte me dit 30 secondes après le décès, du coup, oui. 30 secondes après le décès? Oui, l'annonce du décès, quand Charlotte l'a pris, bah, M. Tyler était là genre 30 secondes plus tard, donc c'est pas possible. Ah oui, bah oui, en effet. Il peut pas se téléporter, quoi, donc... À moins d'être juste à côté, quoi. Ce qui, est... ouais, oui. Ce qui est rare quand même, il n'y a que nous souvent au vignoble. Bah surtout qu'il y aurait le Speedy au vignoble, mm-hmm. S'il aurait été assassiné là. Ouais, bah oui. Oh. Il y a un hélicoptère. Ah non. Hop. Bon, moi je pense que je vais pas tarder à aller me coucher. Et eh ben tu as raison de te reposer, c'est très important. Oui. Et puis je vous dis à tous bonne nuit. Eh bien, une très bonne nuit à toi. Ouais, ça marche, bonne nuit. Bonne nuit. Salut. J'espère que tu as kiffé ta photo et des bisous. Oui, je kiffe ma soirée. J'ai été promue. Ah, let's go. Ah, t'as été promue, c'est vrai? Oui, j'ai été promue du coup. Ah, t'es passé quoi, vigneron? Oui. Putain, félicitations, let's go. Merci beaucoup. Ça va, félicitations. Tu t'occupes bien du bison ou pas du tout? Ça va, je m'occupe bien du bison. Bon, ah, on a pas eu de chance. On a pas eu de chance parce que c'était avec le bison que je me suis fait intercepter par les Mistral, mais il a été réparé après. Il a été réparé. T'inquiète. Mais sinon, moi, je m'en occupe bien. C'est les connards, t'inquiète pas. Ah bon, alors ça va. C'est ok. Ouais. Bon, j'espère qu'il te portera quand même plus de chance parce que bon. Oui, merci beaucoup. Ça devrait bien se passer, je fais attention maintenant. Ah, ça marche. Bonne nuit à vous. Alors, repose-toi bien, bonne et bisous. Nuit. Merci, bisous. Bisous, bonne nuit. Et courage, Axel, pour tout ce qui t'arrive. On est là. Ouais, merci. Si t'as besoin, tu m'envoies un message. Bonne nuit à vous. J'ai plus tellement besoin. Ah, ok. Bonne nuit, bisous. Bonne nuit à vous, bisous. Hop. Je commence à être fatiguée. Bon, c'était pas comme ça que je voulais m'allonger, mais c'est ok. Bonne nuit.